Bonjour à tous. Voilà, alors comme vous avez vu en début, j'ai changé mon tuto et donc voilà, je me suis amusée comme une petite folle. Je vous fais cette vidéo déjà pour vous dire que c'est toujours moi, hein, même si le début a changé, c'est toujours moi, premièrement. Deuxièmement, je voulais remercier vraiment tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne depuis le confinement. Ça a été un truc de dingue, j'ai dû gagner au moins 20 abonnements. Ah, vous me direz, c'est pas grand chose, mais petit à petit l'oiseau fait son nid et c'est juste magnifique parce que les messages que je lance en fait sont de plus en plus entendus et de plus en plus écoutés et résonnent de plus en plus avec le monde actuel. Ça, c'est une chose. La deuxième, vous avez vu, il fait pas beau aujourd'hui, mais tout le soleil que j'ai dans mon cœur, je vous l'envoie avec tout l'amour et tout plein de bonnes choses. Je voulais faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que, deux secondes de sérieux. Ce qui se passe en ce moment, c'est juste pas normal, on est d'accord. Il y a un truc à faire. Je pense que, très sincèrement, l'histoire du confinement, déconfinement, reconfinement, ça va durer, grosso modo, allez, j'aime pas donner de date, mais globalement, 2-3 ans. Dans 2 ans, il y a les élections. Ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est que la prochaine personne qui se présente au niveau de la prochaine présidence, soit quelqu'un d'autonome, soit quelqu'un qui ait assez d'argent, enfin, quelqu'un qui connaisse les difficultés du peuple, qui soit au courant de ce qui se passe dans l'état profond. Deuxièmement, ce soit quelqu'un d'autodidacte, c'est-à-dire qui soit assez riche, assez puissant, pour ne pas avoir à lécher les bottes des hauts financiers, de tous les lobbies qu'il y a à droite et à gauche, de tout ce qui nous met en cage, en fait. Troisièmement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit donc assez costaud pour faire du grand nettoyage au niveau de l'état profond, et que ce soit en France ou ailleurs, enfin surtout en France d'ailleurs, parce que ailleurs, chacun, il y a beaucoup hein, de pays qui sont autodidactes, autonomes, mais qui voient où le président, le dirigeant, on va dire, voit le bien-être de ses citoyens avant son propre intérêt. Bon, on est tous d'accord que ce n'est pas le cas ici. Hein? Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que pour les prochaines élections, il faudrait quelqu'un. Alors là, je ne veux pas me faire des amis, mais ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, je me fiche complètement. Il nous faudrait quelqu'un de la trempe de Trump. Voilà. Je vais vous mettre un lien en dessous d'une personne qui a fait des recherches sur ce cher président américain. Et vous verrez que, en fait, s'il y a quelqu'un qui fait du nettoyage en profondeur en ce moment, c'est bien lui. Et il le fait dans le monde entier. Et il ne le fait pas qu'en Amérique, il le fait dans le monde entier en ce moment. Alors oui, c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Il y a beaucoup de gens qui souffrent encore et qui sont dans la douleur, qui sont dans la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. Mais on ne peut pas tout faire comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps. Il faut jouer. Vous voyez, je vous dis que la vie est un jeu. Il faut jouer. Vous avez le mauvais côté, vous avez le bon côté. Vous avez le mauvais côté qui veut absolument s'accrocher. Donc le bon côté doit contourner, doit jouer le jeu de façon à ce que l'ombre soit prise à son propre piège. Et pour ça, il faut être diplomate et il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer. Et il faut savoir jouer les bonnes cartes. Hein, chose que est en train de faire ce cher président. Donc moi, je pense qu'il nous faudrait quelqu'un comme lui à la tête du pays, de façon à nettoyer tout l'état profond. Intéressez-vous un peu, laissez tomber la télé, laissez tomber tous les journaux, laissez tout tomber
et regardez, regardez la vérité telle qu'elle se présente à vous via Internet. Certains réseaux sociaux sur Facebook qui sont de très bons réseaux, de très bons réseaux et qui vous disent la vérité telle qu'elle est toute crue. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais la vérité, comme on dit, n'est pas toujours bonne à dire et surtout à entendre. Donc voilà cette petite parenthèse que je voulais vous faire parce que c'est vraiment très 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 important pour notre futur ici. Autre chose, quand je vous parlais l'autre fois que j'écoutais mon corps, ben voilà, hier j'en ai encore eu la preuve, c'est pas compliqué. J'ai vu j'ai vu une vidéo de Julie Light, Julie Aubier, qui disait il faut y aller, la créativité, il faut vous lancer, qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Faites ce que vous dit votre cœur. Et moi hier donc j'avais des choses à dire, puis je me dis oh non, c'est déjà fait. Et là qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une douleur au niveau du poignet gauche. Pourquoi? D'un coup, elle m'est venue, plus moyen de prendre quoi que ce soit, genre grosse crise de fibro au niveau du poignet gauche. Plus moyen de prendre quoi que ce soit, ni rien. Bon, j'ai été voir donc mon petit livre des maladies, le dictionnaire en fait, maladies. Et là, j'ai vu qu'au niveau du poignet, ce qui se passait, c'est que je ne laissais pas assez partir ma créativité et qu'il fallait que je donne libre cours à ma créativité et à mon bonheur, mon plaisir, ma joie, etc. et à mon amour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo hier soir et qui n'était pas prévue, que vous verrez ce matin sur ma chaîne, qui n'était pas prévue au départ et je l'ai fait quand même sur les êtres souverains. Et ben, quand j'ai fini la vidéo, je n'avais plus mal au poignet. Et d'ailleurs, ce matin, vous voyez, le poignet, il est nickel. Et je n'ai absolument pris aucun médicament. Je voulais mettre des compresses de confort. C'est fou ça, hein? Parce que je me suis dit, si ça continue, je vais mettre des compresses d'alcool camphré parce que ça calme bien les douleurs. Pas besoin, c'est parti tout seul. Donc, je me suis dit qu'à partir de maintenant, quand je vais avoir une idée de vidéo, même si c'est deux, trois fois dans la journée, je m'en fiche, je le ferai. Parce que ça fait partie des choses que j'ai à dire, ça fait partie des choses que tout le monde doit savoir, doit comprendre. Et faites-vous plaisir, moi je me fais plaisir en faisant des vidéos avec vous, en partageant avec vous et en vous informant de ce que je sais, de ce qu'on m'apporte et de ce qu'on m'informe. D'ailleurs, à ce sujet, encore une parenthèse, je remercie infiniment tous ceux et toutes celles qui viennent me donner des informations, qui viennent me dire « Regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. » Je vous remercie infiniment parce que c'est extrêmement sympa et sympa de votre part et c'est gentil. Mais alors, premièrement, vous pouvez le faire vous-même. Parce que vous avez la capacité de le faire, vous avez la capacité de partager, vous avez la capacité de faire savoir au monde entier ce que vous savez, vous pouvez vous aussi le mettre sur votre page, ou pourquoi pas faire des vidéos, vous aussi, pourquoi pas, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, vous faites des vidéos en disant voilà ce que vous savez, premièrement. Deuxièmement, c'est très gentil, mais alors les informations que vous me donnez, elles sont très importantes, certes, mais je suis déjà au courant. Parce que si vous vous intéressez un peu à ma chaîne et aux vidéos que j'ai fait précédemment, précédemment, vous verrez que je parlais déjà des problèmes que l'on allait rencontrer aujourd'hui. Donc, peut-être que ce n'est pas comme ça que je voyais les choses à ce moment-là. Mais les problèmes, je savais qu'ils allaient arriver. Et donc, je vous ai
prévenu via les vidéos. Donc c'est très gentil, encore une fois, c'est très gentil à vous de me dire il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Ben ouais, mais ça je vous l'ai déjà dit. Alors je ne savais pas comment ça allait se dérouler, hein, parce que tout se passe, tout bouge à chaque instant. Hein, il n'y a rien qui est vraiment écrit sur la pierre, hein, comme on dit, hein, tout bouge à chaque instant. Et donc je ne savais pas à l'époque que on allait finir avec une pandémie qui allait avoir des problèmes avec la 5G, etc., etc. Je savais juste qu'il allait y avoir une grosse merde qui allait me tomber dessus, pardon, une mal expression, mais c'est exactement ce qui se passe, une grosse merde qui allait me tomber dessus et qu'il fallait absolument qu'on se protège et qu'on fasse attention. Je vous l'ai dit et répété à plusieurs reprises. Je vous ai fait des vidéos sur l'être vivant souverain. Je vous ai fait une vidéo sur l'intention de l'ombre qu'ils avaient à notre rencontre. Je vous ai fait des vidéos sur tout ça. Tout. Je vous ai tout expliqué. Donc, vous êtes gentil, mais en m'envoyant des choses que je sais déjà, bah, du coup, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce que c'est des choses duquel je ne parlerai plus puisque je l'ai déjà fait et que ça ne sert à rien d'en reparler maintenant. Les gens, s'ils veulent s'informer, ils s'informent. Voilà, s'ils ne veulent pas s'informer, ce n'est pas la peine de les... Hein, on donne souvent l'exemple du fait que quand vous avez une jolie fleur, vous n'allez pas lui tirer sur la pétale pour qu'elle grandisse plus vite. Vous allez laisser le temps à la fleur de pousser d'elle-même. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Si vous voulez aller vous informer, vous renseigner et tout, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes qui vous ont informé, qui ne sont pas forcément des lanceurs d'alerte, mais qui sont au courant de beaucoup de choses et qui peuvent vous aider et vous informer, eh bien, faites-le, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez des informations importantes à faire passer, eh bien, faites-le, postez-les sur votre page Facebook. Ou alors, si vous êtes censuré, faites des vidéos. N'hésitez pas, lancez-vous. C'est le moment, si vous avez des informations, lancez-vous. Dites-vous que si vous avez quelque chose à dire, c'est vrai que de lire des trucs et des trucs et des trucs, c'est un petit peu barbant à force. Hein. Par contre, si vous faites une vidéo que vous la postez et que vous la mettez sur votre page pour info ou peu importe, on aura moins de mal à écouter ce que vous dites, surtout si les mots sonnent juste. Alors peut-être que les mots que vous allez dire vont être les mêmes que ceux que vous allez écrire, sauf qu'on aura moins de mal à vous entendre qu'à vous lire. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est juste une question d'expérience, voyez, un petit peu. Hein. Donc voilà, je suis là. Pour moi, la vie est toujours aussi belle et je n'ai absolument aucun problème avec ce qui se passe actuellement. Je n'ai absolument aucun problème avec ce confinement parce que comme je vous ai dit, j'étais déjà confinée avant et je me déconfine quand je veux et donc ça ne me pose absolument aucun problème. Il y a du bon quand même parce que du coup les enfants vont pas à l'école et moi ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je voulais arrêter que mon fils aille à l'école. Et là, pour le coup, avec le confinement, j'ai été exaucée. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais c'est le cas. Donc, on se dit que si les enfants arrivent dans le confinement à apprendre quand même, à garder un certain rythme d'apprentissage, etc., deux mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça change quoi au final? Pas grand-chose. Hein? L'important, c'est que votre enfant sache lire, écrire et compter. C'est les bases. Les bases. Alors, les livres d'histoire, même pas je vous en parle parce que c'est blindé d'erreurs au niveau de l'histoire, pour info. C'est blindé. Ils vous mettent ce qu'ils veulent que vous sachiez, mais la vérité, elle n'est absolument pas dite. Hein? C'est absolument pas... pour ce qui est de l'histoire, pour ce qui est des sciences naturelles et des sciences physiques, tiens, regardez. Vous prenez 5 minutes, vous sortez avec votre enfant, même si vous êtes en pleine ville, hein, parce qu'il y a des arbres aussi en ville. Hein, j'ai encore pas vu une ville où il n'y avait absolument aucun arbre.
Il y a des arbres en ville. Il y a plein de choses. Vous sortez avec votre enfant, vous allez vous promener, voilà, et rentrer à la maison, expression écrite. Dis-moi ce qu'on a fait cet après-midi. C'est pas plus bête que ça, hein. Qu'est-ce qu'ils font à l'école au final? Hein, quand vous faites, quand l'école a fait une sortie dans un musée ou peu importe, hein, l'expression écrite, c'est quoi? Raconte-moi la sortie. Eh ben, l'enfant, il raconte la sortie. Voilà. Et ça lui fait un exercice d'écriture. Et en plus, bah, il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, etc., etc. Donc, nous avons, en tant que parents, la possibilité d'élever nos enfants, de leur apprendre à lire, à écrire, à compter, et en plus de leur inculquer des valeurs essentielles qui ne sont pas faites, voilà, au niveau scolaire. Et ça, j'en suis persuadée. Alors on va me dire, oui, mais tu comprends, il perd ses amis, il perd rien du tout. Parce que c'est pas parce qu'il va pas à l'école qu'il ne peut pas aller retrouver ses amis. Si c'est des amis, c'est des amis, hein, c'est des copains. Hein, après, ça n'empêche absolument rien. Sa socialité, soi-disant, de l'école, ce n'est qu'un leurre. Parce qu'au final, beaucoup, hein, et j'en ai été témoin, beaucoup sont là, il y a des enfants qui se moquent des autres. Donc du coup, bah, ceux qui sont un petit peu plus faibles ou qui n'ont pas le répondant ou qui n'ont pas envie, bah, ils se sentent mal à l'aise et ils sont pas bien. Et résultat des courses, bah, l'école, bah, on décroche. Et puis voilà, sans compter que les maîtresses, bah, elles ont de moins en moins de patience. Moi, je sais pourquoi, mais vous, le savez-vous? Elles ont de moins en moins de patience, donc elles crient, elles ne peuvent pas être sur un enfant à la fois, surtout un enfant qui a un petit peu plus de mal à s'adapter à tout ça. Elles sont de moins en moins présentes parce qu'elles ont des enfants, d'autres enfants en classe. Alors bien sûr, il y a ceux qui arrivent à suivre et ben, ceux qui ont un peu plus de mal. Et ceux qui ont un peu plus de mal, ben, c'est tout de suite, ah, il a un problème. Ouais, on va le faire suivre par une PMI. Oh, on va le faire suivre par des psychiatres parce que c'est pas normal qu'ils ne suivent pas comme ça. C'est pas normal. Attention, votre enfant a un sérieux problème. Il décroche et il faut pas qu'il décroche. L'enfant a le droit de décrocher s'il ne se sent pas bien là où il est. Et vaut mieux qu'il décroche en étant petit et que vous le mettiez à l'école, à l'école à la maison, pardon, que vous le mettiez à l'école à la maison et que vous lui fassiez les cours vous-même, plutôt qu'arriver à l'adolescence, qu'il devienne, comme on dit, hein, un voyou, un hors-la-loi. Le problème, c'est que, bon, il va faire l'expérience d'être un voyou, un hors-la-loi, mais il peut très bien éviter tous ses soucis, hein, surtout si, au final, il ne les a pas vraiment demandés. Il peut très bien éviter tous ses soucis si nous, les parents, on fait un geste vers eux et que l'on fait ce qu'il faut pour eux. Alors, arrêtez de me dire que il n'aura plus de copains, il n'aura pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des copains, il les aura toujours. Parce que il va pas à l'école, mais il peut toujours sortir voir les copains dehors. Rien n'empêche, rien. Ne me parlez pas de sociabilité, ça m'hérisse le poil. C'est pas la peine. Hein? Donc, ça, c'est encore une histoire qu'on vous dit parce que. Dites voir. Juste comme ça, on va revenir un petit peu en arrière, là, du temps de nos grands-parents, etc. Hein, du temps où l'école, on la faisait à la maison. C'est pas pour ça que nos ancêtres n'avaient pas des copains, des copines. Hein. Je vais même vous dire quelque chose, c'est qu'à l'époque, ils apprenaient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein. Parce que tout ce qui est au niveau de la nature a tout pour apprendre à un enfant. Alors bien sûr que les parents sont là pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est un fait, mais c'est beaucoup plus ludique en le faisant à l'extérieur, hein, parce que si on prend des choses qui sont, si on prend par exemple juste les additions, hein, et que on vous dit, tiens, des trucs tout bêtes, hein, combien de brindilles il y a par terre? L'enfant va apprendre à compter avec les brindilles, l'enfant va apprendre à compter avec les feuilles, l'enfant va apprendre la nature, comment ils font les oiseaux pour se reproduire, comment ils font les animaux, comment. Et c'est du vécu, c'est du vu, c'est du naturel.
c'est pas fictif, c'est réel. Voilà. L'enfant peut apprendre plus en restant à la maison qu'à l'école. Enfin, je ne fais pas une globalité parce qu'il y a des enfants qui se sortent très bien à l'école et ça, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Je vous parle des enfants qui ont un peu de problèmes à s'adapter. Et un peu ou beaucoup, parce que ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. De la façon qu'on leur parle, ça leur parle, c'est chinois. Ils ont décroché au bout d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ils regardent par la fenêtre, ils regardent des oiseaux, ils écoutent les oiseaux, ils regardent ce qui se passe dehors. L'école, ils sont partis. Ils sont là physiquement, mais dans leur tête, ils sont partis. Que si vous leur faites des cours intéressants à la maison, si vous êtes, si vous sortez avec eux, si vous leur dites tiens, il y a ça, regarde ça et regarde ça, mais vous n'avez même pas besoin de lui dire quoi que ce soit parce que l'enfant de lui-même va vous poser des questions. Il va dire oh ben regarde, regarde, et comment ça se fait que ça se passe comme ça, et puis et comment ça se fait que c'est comme ça, et ah oui, alors là vous avez intérêt à avoir des réponses, ça, c'est clair, c'est certain, hein, à avoir un bon discernement, mais c'est possible. Je vous rappelle que la scolarisation n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas la scolarisation. On est d'accord? Donc, à partir de là, c'est vous qui voyez. Alors, fin de la parenthèse, la vidéo, au départ, je ne voulais absolument pas parler de ça, je n'avais aucune idée de quoi allait se baser cette vidéo. Mais au final, comme vous voyez, hein, eh ben, les idées arrivent. Hein. Y a quelqu'un qui m'a dit l'appétit vient en mangeant, et ben là, les idées arrivent en s'amusant. Eh ben voilà, hein, encore une fois, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ne rentrez pas dans les cases, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les cases qu'on vous impose parce que c'est du voulu. Donc ne rentrez pas dans les cases, n'écoutez pas ces infamies qu'on vous poste à la télé. Alors oui, vous pouvez avoir une télé, oui, vous pouvez la regarder, mais penchez-vous plutôt sur des documents animaliers, des documents, je sais pas, il y a plein de chaînes qui vous montrent des documents à voir. Il y a Ushuaïa Télé, il y a... nature et je sais pas quoi, il y a des chaînes sur la science, il y a des chaînes sur plein de choses, mais nettoyez votre cerveau de tous ces mensonges et ces croyances que l'on veut absolument que vous ayez, de façon à rester là où vous êtes et que vous ne bougiez pas et que vous restiez la tête dans le sable et surtout ne sortez pas la tête, restez bien dedans. C'est ça que vous voulez? Eh ben, voilà. Donc, c'était la petite vidéo aujourd'hui. Donc, on est lundi, je sais pas, 20 et quelques, 23, on est lundi. Hein, voilà. Je ne sais pas si je referai une vidéo aujourd'hui ou pas, ça dépend de mon inspiration, ça dépend de ce que je verrai, ça dépend de ce que j'ai envie de dire, ça dépend de plein de choses au final. Hein. Et voilà, donc ça sera tout pour cette fois, prenez soin de vous, je vous aime tous de tout mon cœur et je vous envoie tout mon amour. Et écoutez, hein, ça n'en tient qu'à vous. Choisissez votre camp. À bientôt. Bye.